Haïti Média Télé est la seule en Europe. Bon, pour tout de suite, bon, j'ai un morceau qui est en rotation actuellement avec un clip qui s'appelle Haïti C et qui a une description, s'il vous plaît, si vous voulez, de mon pays, de ma terre natale, du pays où j'ai grandi. Et c'est surtout un témoignage de la valeur de mon pays et un rappel à mes frères haïtiens de la valeur et des richesses de leur propre pays et de chez eux, Haïti. Donc restez branchés, allez visionner le clip sur YouTube. Il est déjà sur YouTube, ça s'appelle Haïti C, A-Y-I-T-I-S-E. Et Mika Ben, Haïti C, et puis vous trouverez les images et la chanson. Voilà. Ouais. Alors, y a-t-il un mot que vous souhaitez dire aux fans? Bon, mais à tous mes fans, et à toutes mes fans, je leur dis merci pour tout le support inconditionnel depuis tant d'années, parce que ça fait déjà presque 12 ans que je fais ça. Et ils m'ont toujours supporté dans tout ce que je faisais, parce que je suis un artiste je touche beaucoup de genres musicaux. Je ne suis pas un artiste compas, je ne suis pas un artiste zouk, mais je suis un artiste de la musique en général. Je fais tout genre de musique, dancehall, reggae, hip-hop. Et d'ailleurs, j'ai un morceau qui vient de sortir aussi, parallèlement à ITC, qui s'appelle C'est mon style, et qu'on va pouvoir découvrir ce soir justement, que je joue pour la première fois en live. Donc je pense qu'avec le morceau, vous pourrez comprendre de quoi je parlais. C'est que je fais vraiment tous les genres de musique. Donc c'est ça, merci, et puis continuez à me supporter, parce que je crois que j'ai plein de choses à prouver encore. Combien d'albums avez-vous sur le marché actuellement? Bon, actuellement j'ai deux albums, et un album qui s'appelle Voyage, que j'ai sorti en 99, et un album qui s'appelle Mika, que j'ai sorti en 2002. Et ensuite j'ai sorti un album avec mon groupe, un groupe que j'avais il y a 5 ans de ça, qui s'appelle Crazy. C'est moi qui avais fondé le groupe, mais bon, finalement je suis sorti du groupe et j'ai repris mes activités solo. L'album s'appelle Haïti sans mentir. Et ensuite j'ai un autre mixtape qui est sorti qui s'appelle Artiste local Pab Jam Lagué, que j'avais sorti pour après le tremblement de terre en Haïti, pour soutenir la communauté et tout ça. Et puis, bien sûr, entre-temps, j'ai collaboré avec plein d'autres artistes, plein d'autres groupes aussi, comme Karimi, T-Vice, qui d'autres, Alan Cavé, Black Dada, vraiment plein d'autres collaborations. Olivier Durette, qui est un des artistes que je produis aussi, musicalement. Et puis ensuite, on sait ça. Et puis là, j'ai lancé ma propre compagnie de production qui s'appelle Combeat, K-O-N-B-E-A-T. Et donc, vraiment, je bouge beaucoup. Actuellement, là, je suis en train de travailler avec Alan Cavé sur un morceau qui sera sur son album. J'ai justement, c'est mon style qui est sur la compilation de Mehdi Koustos qui vient de sortir. Dis-moi Zouk qui vient de sortir. Et quoi d'autre? Je vais travailler en duo avec Tina aussi. Et j'ai aussi un duo avec Karimi, encore une fois, sur leur prochain opus. Donc tout ça, je bouge, j'arrête pas de bouger, et puis bon, c'est ça, vous allez voir ce qui va se passer ce soir. Et au niveau des concerts, vous en donnez beaucoup, et à quels endroits? Bon, au niveau des concerts, c'est plus vers Haïti et les États-Unis. Ah oui. Mais je suis sûr que à partir, comme C'est mon style vient de sortir, et le clip, on va le tourner bientôt. C'est un morceau en français, donc c'est-à-dire que ça touche vraiment une communauté francophone. Donc ça va être plus facile pour moi de venir tourner ici, sur Paris et en France. Pourquoi pas en Afrique ou même dans les pays francophones en général, ouais. Aux Antilles aussi. Et pour parler de la nuit tropicale 2013,
Le fait que vous passiez en dernier les groupes haïtiens, pour vous, est-ce que ça veut dire qu'on garde le meilleur pour la fin? Non, en fait je ne passe pas le dernier parmi les groupes haïtiens, non, mais je passe le premier, en fait. Oui. Ah bon, ouais. Les groupes haïtiens. Ouais, exactement. Ouais, bon, bien sûr, je pense que c'est un honneur pour nous parce que Haïti est en vogue, en fait. Haïti est à l'honneur et je pense que c'est pas seulement ici, mais c'est partout dans le monde. Et nous sommes toujours fiers et bon, nous sommes dignes aussi d'avoir été choisis pour représenter Haïti et pour rendre les Haïtiens et la communauté fiers de ce qu'ils sont Haïtiens. Et je pense que c'est très bien. Et puis tous les Haïtiens, je les félicite aussi parce qu'ils font un super travail dans le monde entier, malgré toutes les mauvaises images qu'ils essaient de montrer d'Haïti. Mais nous, oui, je pense qu'avec le clip aussi d'Haïti, vous comprendrez que nous, c'est notre devoir, c'est notre tâche justement de montrer les beaux côtés d'Haïti, parce qu'il y en a tellement. Et donc nous restons dans le positif et je pense que cette soirée, ça témoigne justement, c'est pour montrer que vraiment nous sommes positifs, on fonce, nous sommes dynamiques et nous sommes jeunes optimistes et nous voulons vraiment travailler et nous avons l'espoir, pas seulement l'espoir, mais vraiment la croyance que ça peut changer et puis on travaille pour ça. Vous voulez ajouter quelque chose? Bon, mais je dis à tout le monde un grand merci et à la Nuit Tropicale, merci à Eric Basset, merci à JR, à tous les organisateurs et à Aztec Music qui ont mis ce spectacle en place. Et puis, bon, je dis à tout le monde d'aller me suivre sur Twitter parce que je suis toujours sur Twitter, Mika Ben, M-I-K-A-B-E-N sur Twitter ou bien sur mon Facebook, Mika Ben. Donc, je suis toujours sur le web. Donc, et puis, bien sûr, bientôt, et haitc.com sera et fonctionnel et où vous pourrez aller participer avec nous dans ce mouvement parce que le clip Haïti, ça ne s'arrête pas seulement à un clip, mais c'est tout un projet, tout un mouvement, c'est toute une dynamique, c'est tout un mouvement, vraiment, c'est moi qui pars à la découverte d'Haïti en collaboration avec mes collègues, avec d'autres artistes, etc. Donc, restez branchés et puis on bouge, on n'arrête pas de bouger. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Haïti, Média Télé est la seule en Europe. Haïti, son bon bouillon, son soujou à tout piment. Son bon cassave avec mamba, pour quatre ampé dans la casse. Haïti, son bon dombré, à mariner non bon sauce froid. Son bois cochon, bon clé. Haïti, son bon. Haïti chérie, jamais aimé. Haïti chérie, jamais adoré. Pas qu'un pas j'en fais moi quitter. Haïti chérie, jamais aimé. Thank you.
Haïti, c'est Timoun yo kap révélé yon bel avenir. C'est l'origol la capé son. Pas comme l'autre ou la raté. Haïti, c'est un battant. L'un débit après 12 janvier. C'est la boucle pour mauvais sang. Chaque l'ontil la plus fou tombe. Haïti, c'est sous béton. Mais vite des beaux étiquettes. Thank you.